Dans quelques instants, c'est quoi qui dit ? Une émission en direct. Présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux. Administration. Tutoriel. Logiciel libre. Et astuces. Rendez-vous tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h. Salut à tous, donc c'est Adrien D, nous sommes le premier mercredi du mois et comme je l'ai dit, eh bien on se lance dans une émission en direct, tous les premiers mercredis du mois. Alors j'ai dit 20h, mais effectivement je suis un petit peu en retard, mais petit souci professionnel, voilà, je suis sorti du travail il y a quelques minutes. Donc, on est un petit peu en retard pour cette première, mais enfin bon, c'est pas bien grave. On va le faire quand même. Et ceux qui se sont dit, il nous a posé un lapin, pourront quand même regarder la vidéo. Je laisserai le replay. Alors, l'émission s'appelle « C'est quoi qui dit ?» Alors, « C'est quoi qui dit ?» Je vous avoue, je n'avais pas trop d'idées sur le nom d'une émission à faire. Donc je me suis dit, bah qu'est-ce que je vais dire dans l'émission? Et ben voilà. Donc le bonhomme, bah c'est quoi qu'il dit? Et ben voilà. Et ben, je sais pas ce qu'il dit le bonhomme. C'est pas grave. On va parler. Et j'avoue que pour cette première, professionnellement parlant, c'était un peu compliqué ces temps-ci. Et du coup, j'ai pas spécialement préparé mon sujet. Alors, une émission, c'est quoi qu'il dit? J'aimerais, dans les petits directs que je ferai les premiers mercredis du mois à 20h, c'est globalement d'avoir une heure d'émission. Alors là, ce sera beaucoup plus court parce que voilà, ce sera un peu plus court. Donc je salue Sipo Matador qui a peut-être eu la petite notification. Alors je vais le promouvoir modérateur, histoire qu'il puisse m'aider un petit peu à faire le job si jamais ça déborde, mais je ne sais pas comment on fait. Voilà, et voilà, donc ça devrait faire comme ça à peu près bien. Donc pour le moment il n'y a qu'une personne, mais forcément c'est normal, je dis que je fais ça à 20h, il est 20h16. Ah non, il y a du monde qui arrive, super. Donc bonjour à tous. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai quand même préparé ma petite émission. Et alors ce qu'on va faire, je vais présenter dans le petit quart d'heure là une distribution Linux. Et en fait, on va faire, je vais présenter une petite distribution Linux. Et puis après, je répondrai à toutes vos questions. Comme ça, ça laissera le temps que chacun vienne. Voilà. Et donc, à nouveau, désolé pour le retard. Donc, je salue tous les nouveaux qui arrivent petit à petit. Donc, je vous salue à tous. Et donc, on va parler d'une distribution Linux qui s'appelle, hop, je détache mon onglet Vivaldi, voilà. Et donc, on va parler de la Rosa Linux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Rosa. Déjà, je vous salue tous, hein, tous ceux qui dites bonjour sur le chat, j'essayerai de répondre en même temps. Si vous avez loupé le début, bien sûr, comme je l'ai dit, on gardera le replay. Donc ici, la distribution que je vais présenter, c'est Rosa Linux, donc il y en a peut-être qui la connaissent, je vous grossis ça. Donc elle est sortie en version R9. Donc en version R9. Rosa, en fait, c'est une traduction littérale de Poka, qui veut dire je ne sais plus quoi en russe, puisque Rosa Linux est une version basée sur Mandriva 2011, qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui, et qui est d'origine russe. Voilà. Donc je vous mets la page de DistroWatch, qui est quand même bien fichue. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une distribution indépendante basée sur Mandriva, origine russe. Elle propose les bureaux GNOME, KDE, entre parenthèses KDE 4, KDE Plasma, LXQT et Mate. Et elle fait partie de la catégorie desktop. Elle est, alors c'est marqué ici, release model fixed. En fait, elle est dite semi-rolling. Je vois vos questions, hein, sur le chat, et j'y répondrai tout à l'heure dans le deuxième temps.
Mais vous pouvez vous poser vos questions et j'y répondrai tout à l'heure. Donc Rosa Linux, voilà, basé sur Mandriva. Donc je vais, en fait, ici c'est marqué catégorie desktop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une édition serveur aussi de la Rosa Entreprise Linux. Donc je vais vous montrer les deux serveurs. Je les ai téléchargés les deux. Donc hop, là je vais mettre la serveur. Et puis ici, je vais mettre la pas serveur. Donc j'ai récupéré la Rosa Fresh Plasma R9, qui est donc la dernière version, qui supporte UEFI en 64 bits. Donc on va l'installer ensemble. Alors ma machine virtuelle est sur un disque SSD, donc ce sera pas très long, et forcément si ça marche pas comme il faut, ça va pas le faire du tout. Alors hop, donc on a quoi? On a ici, voilà, on va rouvrir des fois que, hop, voilà, F12, CD-ROM, voilà, on va démarrer, ce sera quand même mieux. Donc le temps que le CD démarre, je vais vous montrer la deuxième partie, donc la deuxième édition, qui est l'édition serveur, voilà. Donc il y a une édition entreprise Linux serveur, donc on voit déjà un petit peu que la distribution, elle se base sur client et desktop. Donc ce qu'on va faire, hop, on va, je vous montrerai juste la petite partie installation, on ne l'installera pas, la version serveur. Hop, voilà. Donc je rappelle que la distribution que je parle, c'est Rosa Linux. Donc ici on reconnaît le démarrage qui était présent sur Mandriva 2010 et 2011. Donc je me mets en français, j'accepte le petit contrat de licence, et donc voilà, on va mettre l'horloge aussi si ma mémoire est bonne. Donc Paris, horloge 20h20, voilà, super pas en avance. Et donc, ce qui est un petit plus, ce qui est un peu, désolé, j'ai un peu la voix cassée aussi. Ce qui est un petit plus par rapport à Mageia, qui est aussi une distribution qui succède à Mandriva, c'est que je trouve que esthétiquement, c'est beau. C'est le graphisme est vraiment travaillé. Donc là, on va lancer l'outil d'installation. Donc là, on reconnaît le Mandrake Software Center, enfin le CCM, voilà. Et donc ça, c'est la partie de l'installateur de Mandriva, qui a juste été renommé Rosa. Donc ici, je vais faire une installation, tout ce qu'il y a de plus basique. Tac, 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 ok, je vous lis vos petits commentaires. Donc j'efface le disque en entier, et let's go. C'est parti. Donc il n'y a que ça à faire au niveau de l'installation, c'est assez simple. Et après tout se passe en post-installation. Donc je vais vous mettre la page Wikipédia de Rosa, donc wrosa linux. Donc Rosa, liste de distribution. Hop, donc liste des distributions. Rosa, voilà, donc la page elle est qu'en anglais, ouais, dommage, attendez, on va trouver autrement, Rosa Linux, Wikipédia, ouais, j'ai pris une 64 bits pour répondre à Sipo Matador, donc qui supporte UEFI, et donc j'ai invention et écologie et environnement et technologie qui me dit que la bibliothèque et logiciel est pauvre. Alors on va voir ça ensemble. Voilà. Donc Rosa Linux, voilà. Vous avez la page Wikipédia. Donc c'est de la base RPM, bien sûr, vu que c'est basé sur Mandriva. Et donc le site est russe. Voilà. Je meuble un petit peu le temps que l'installation se déroule, comme vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est le site de Rosa Lab. Rosa Linux. Et donc là, je vais pas me casser la tête, je vais prendre le lien que j'avais ici, voilà, pour aller directement sur le wiki. Voilà. Et ici, vous avez donc la présentation Rosa Fresh R9. On a la branche R8. Donc, en fait, il y a une branche R8 qui est basée sur des paquets en plateforme 2014.1.
Et donc, si vous avez une R8, vous migrez automatiquement en R8.1, vous ne passez pas en R9. Et il y aura sans doute une manipulation pour passer de la R8 à la R9. C'est en sorte une mise à niveau avec des logiciels un petit peu plus frais. Donc, sur la Rosa Fresh R9, voilà. Donc, on va découvrir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, avec la possibilité d'installer des logiciels propriétaires comme Skype, Steam, SoftMaker FreeOffice, Viber. Voilà. Et donc, bien sûr, là j'ai pris l'image ISO KDE Plasma, mais on a LXQT, XFCE, Enlightenment à notre disposition. Et si vous n'avez pas vu, voilà, je vous remets ici, il y a une version desktop entreprise. Donc là où, si vous voulez, c'est une distribution pendant lesquelles les deux premières années, on va avoir des mises à jour logicielles. Et après, les trois années d'après, donc pour un support total de 5 ans, il y aura juste les correctifs de sécurité. Donc ça, c'est une LTS sûre et pas trop fraîche qui peut être utilisée dans le monde entreprise. Voilà, voilà. Donc le temps que ici, la Rosa desktop termine de s'installer, je fais juste un petit saut sur la partie serveur que j'ai lancé tout à l'heure. Donc vous voyez, en fait, ici, pour ceux qui ont déjà installé CentOS ou Red Hat Enterprise Linux, et ben vous allez voir que c'est exactement le même installateur, c'est Anaconda. Donc la version desktop de Rosa utilise les outils de Mandriva et la version serveur de Rosa propose donc l'installateur de CentOS. Voilà, donc c'est Anaconda. Et bon, ceux qui ont déjà fait une installation de CentOS, vous voyez, c'est exactement le même installateur avec du coup des fonctionnalités un petit peu plus complètes, notamment la possibilité d'installer sur des disques Fiber Channel over Ethernet, ISCSI et bien d'autres, ou des stockages basiques. Et sur ces stockages basiques, on va pouvoir faire du LVM et bien d'autres choses. Voilà, donc je vais faire une nouvelle installation. J'avais testé avant quand même. Ici, donc là, je ne vais pas aller au bout. Hop, je mets le petit mot de passe qui vient. Et oui, malgré tout. Et donc, vous voyez, ici, on peut utiliser donc tout l'espace. On peut créer un truc personnalisé. Et donc, par défaut, c'est du LVM. Ouais, on peut chiffrer le système, revoir et modifier le schéma de partitionnement. Voilà. Et donc là, on a la possibilité d'avoir des choses avancées. Comme vous voyez, pour la partie serveur, c'est vrai que bon, c'est intéressant de voir qu'on a du LVM dans un partie serveur, parce que bon, on a parfois dans le cadre d'un serveur besoin d'agrandir les systèmes de fichiers, etc. Donc ça, c'était la partie serveur. Je ne vais pas plus loin. Mais après, on se retrouve avec une distribution. Donc serveur, hop, je vais retirer le CD. Voilà. Et en fait, on a juste un petit écran de connexion, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, je l'avais installé il y a quelques jours. On a voilà. Donc ça, c'est une fois que c'est installé, Rosa Enterprise Linux Server, elle ressemble à ça. Donc c'est clairement un démarrage de CentOS. Hein. Ça ressemble à la même chose. Et on va arriver sur un petit écran de connexion graphique. Alors on peut installer le serveur avec ou sans interface graphique. Et une fois que c'est installé, on a un petit LXDE qui est en route, vous voyez. Donc là c'est bien, mais je ne me rappelle plus de ce que j'ai mis comme mot de passe. Voilà, j'ai mis ça. Et donc là on a un petit LXDE, donc c'est une version serveur, donc toute minimaliste. Voilà. Avec 209 mégas prix. Bon, c'est LXDE, c'est normal. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure que Rosa Linux était basé sur Mandriva, dans la version ici desktop, les commandes la ligne de commande pour installer des logiciels, ce sera URPMI, les outils de Mandriva historiques. Par contre, sur la version serveur, vu qu'on est quasiment basé sur CentOS, eh bien il n'y a pas de je sais pas ce que j'ai mis. Il n'y a pas de commande URPMI ou URPMF ou des choses comme ça. Tout se passe avec Yum, donc l'outil de CentOS. Voilà. Donc je referme la partie serveur et je reviens à notre installation.
Voilà, l'installation est terminée. Donc là, on arrive à la petite partie post-installation. Donc Rosa, c'est russe, ouais. Si Xavier T, tu as loupé le petit début, c'est bien, bel et bien russe. Et donc, bah voilà, l'installation va être terminée d'ici quelques instants. On va explorer la Logitech, voir un petit peu comment elle s'utilise. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Moi, ce que j'aime bien ici, dans celle-là, c'est que c'est quand même une distribution qui est jolie. Voilà. D'un point de vue graphisme. Donc là, je vais mettre le mot de passe de root. Le petit mot de passe qui va bien de d'habitude. Voilà. Ici, on a la création du premier utilisateur. Voilà. Si on peut choisir les images, donc je vais mettre voilà, le petit chaton. On peut mettre le nom, ok. Ici, on peut choisir d'activer ou de désactiver quelques services. Donc, Cubes pour le support de l'impression. Donc, on voit que c'est activé par défaut. Samba pour le partage de fichiers et d'imprimantes. Et on peut, donc par défaut, c'est désactivé, mais on peut activer SSHD pour avoir le serveur OpenSSH et se connecter à distance, en ligne de commande, à la distribution. Donc, je vais laisser les choix par défaut. Voilà. Et donc, c'est terminé. Et donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va redémarrer tout de suite. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Mais normalement, il n'y a pas de raison, ça s'est bien passé. N'est-ce pas? Alors. Hop. Alors non, on ne mettra pas Compiz, hein. On ne mettra pas d'effet KDE-esque. On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, je passe en plein écran. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Donc, c'est la Rosa Desktop Fresh R9. Je le rappelle, basé sur Mandriva, pour ceux qui arrivent en cours de direct. Basé sur la Mandriva 2011. Et c'est russe. Voilà. Donc, là, ça charge. Donc, ceux qui disent qu'il faut rajouter Compiz et les packs d'icônes Linux Mint, ils font un petit clin d'œil à quelqu'un qui n'est pas dans la salle, qui s'appelle Actualia66, que je salue, du coup. Voilà, donc, on est prêt à se connecter. Donc, on se connecte. Feu. Voilà. Alors, dans les commentaires, je vois que Calculate c'est bien, mais la Rosa c'est mieux. Rosa c'est quand même un peu plus familier et c'est un peu plus facile à démarrer pour un débutant. Quand même. Donc là, on arrive sur Rosa. Voilà. Donc. Côté traduction, ben, tout est plutôt bien traduit. On remarquera qu'avec le partitionnement par défaut, on a deux disques durs, enfin deux partitions. Donc on a la racine de 20 gigas, ce qui est pas mal. À l'époque de Mandriva, la racine faisait 12 gigas. Donc là, on a quand même 20 gigas, on a de quoi faire. Et on a le slash home qui est séparé. Donc ça, c'est déjà un bon point. Le slash home est séparé et on a une grande racine. Ensuite, petite chose intéressante de Rosa, donc comme vous le savez, sur Mandriva, sur Feu Mandriva, il y avait le centre de contrôle de Mandriva, le MCC ou CCM, et sur Mageia, il y est toujours, sur Open Mandriva, il y est toujours, et sur Rosa, si vous faites un MCC, eh ben, y a rien, et si vous faites CCM, il n'y a rien non plus. Et en fait, ils ont eu la magnifique idée d'introduire tous les outils Drake quelque chose, qui sont les outils de Mandriva, directement dans le panneau de KDE. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici, on a la configuration du système de KDE avec la partie apparence, la partie espace de travail, personnalisation, réseau, matériel. Et ici, il y a une rubrique supplémentaire, administration du système, dans laquelle ici, on retrouve des éléments, donc les printers, là, la gestion des imprimantes sous KDE, mais on voit ici l'ensemble des outils Drake quelque chose. Et donc, si on veut aller voir par exemple les dépôts, eh ben, on va dans gestionnaire de médias logiciels
et ça va lancer donc uniquement l'outil qui va bien, moyennant la saisie de son mot de passe. Et donc là, ça lance directement l'outil configurer les médias de Mandriva. Et ici, on voit le petit RPM. Donc ici, au niveau des dépôts, on voit déjà qu'ils sont tous configurés par défaut. Ce que, je suis désolé de le redire, hein, mais ce que Mageia ne sait pas faire encore à l'heure d'aujourd'hui, de mettre par défaut les médias, et ben là, ils y sont. Voilà. Donc par défaut, sont activés main, qui sont les dépôts principaux 32 bits, 64 bits, vu que je suis en distribution 64 bits. On a les main 32, qui contiennent les applications 32 bits. Par exemple, il arrive souvent que on ait des applications encore 32 bits, style Steam. Donc là, on peut les installer sur notre distribution 64 bits. On a les non-free, donc ce qui contiennent des éléments non libres, ce qui va être souvent les pilotes vidéo. On a les non-free en 32. Et on a deux dépôts, on a contrib et restricted, qui contiennent je ne sais pas trop quoi. Mais qui contiennent sans doute des dépôts supplémentaires. Alors il y en a un des deux, je pense que restricted contient les codecs, ce qui est l'équivalent de tainted chez Mageia. Et sous Mandriva, ça s'appelait déjà Restricted. Et Contrib, je n'ai pas d'idée sur ce à quoi ça sert. Voilà. Donc ensuite, je vois encore hein, les questions qui défilent dans le chat. J'y répondrai dans la deuxième partie du direct qui va arriver dans pas très très longtemps. Donc là, pour mettre à jour le système, c'est directement ici. Donc là, je ne vais pas demander... Et là, ça lance bon, le gestionnaire de logiciel. Et donc ici, on va avoir la possibilité de faire ces mises à jour. Donc déjà, tout ce qui est dépôt, mise à jour, ça fonctionne out of box, donc du premier coup après installation. Donc il y a quelques mises à jour à faire. Je ne vais pas les faire parce que tout simplement, ça risque peut-être d'être long. Oh, allez. C'est parti, on les fait, on a le temps. Hop, il y a une bonne connexion, je pense, en face. Voilà, donc si le direct, si la vidéo ralentit ou la qualité s'amoindrit, bah, c'est parce que les mises à jour se téléchargent. Voilà, on pourra faire un test d'utiliser la ligne de commande URPMI pour installer un logiciel. Le temps que ça s'installe, je vous fais un petit tour. Oh, ça s'installe tellement vite que je vous fais un petit tour de rien du tout. Voilà, donc on voit qu'il y a Flash Player qui est installé par défaut, c'est pas un mal, il y a encore certains sites qui utilisent Flash Player. Voilà, donc là on a fait les mises à jour. Et puis donc ici, on a le installer, désinstaller des logiciels. Voilà, qui ne fonctionne pas depuis là. Ah tiens, j'avais pas fait gaffe. Alors, c'est pas grave, on va y aller. Par là, voilà, donc là on retrouve l'outil traditionnel de Mageia et de Mandriva. Et je fais un petit coucou à Jean-Luc particulièrement, qui pour une fois, pour la première fois que je fais un direct, ou deuxième fois que je fais un direct, il arrive là, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc petit coucou spécial à Jean-Luc. Et toutes les questions, je les vois, j'y répondrai en deuxième partie, hein. Nos soucis. Alors, le gestionnaire de logiciels de Rosa, il est là. Donc, certaines personnes me disent que la Logitech est pauvre. Alors, on va regarder un petit peu. Déjà, dans ce qu'il y a par défaut, et je vais voir ce qu'il n'y a pas par défaut, ce qui manque, et ben, je me dis, tiens, je vais installer ce que moi j'utilise pour voir un petit peu ce qu'on a comme Logitech. Donc, pour Internet, on a Firefox, KTorrent, on n'a pas de courrieleur. Donc, on va essayer de s'installer Thunderbird. On a Chromium aussi. Pas mal. Dans la bureautique, on a LibreOffice. Dans le graphisme, on a GIMP. La visionneuse d'image, ok. Xane, donc moi je préfère SimpleScan pour numériser. Donc on va voir si toutes ces applications sont dans Rosa. Dans la partie son et vidéo, on a Audacity Clémentine, Caden Live. Super, ce sont les applications que j'utilise. Camozo pour la webcam. Dans plus on a EasyTag que j'utilise aussi, tiens, Rosa Media Player, donc Rosa Media Player, je vous le lance, c'est le lecteur multimédia fait par Rosa qui est basé sur SM Player, donc c'est pour ça qu'il ressemble très fortement.
Voilà, donc c'est basé sur M-Player, plus précisément. Donc il est là, on fera un petit peu les, le test des codecs et tout ça. Dans la partie outils, on a quelques outils système. Donc bon, on retrouve Dolphin, on a un outil pour formater les clés USB, sympathique. On a le support des imprimantes HP avec HP Lib, K3B pour graver, KRDC pour se connecter en bureau distant, K6Guard pour le moniteur système, Rosa Freeze, je ne connais pas, Rosa Image Writer qui permet de faire des clés USB bootables à partir d'ISO. On a Calculette, enfin la calculatrice, la console, CarWrite, spectacle pour les captures d'écran, Arc. Donc côté Logitech, bon, on a K-Patience pour le jeu de cartes, Kamine et le Puissance 4, Color Lines. Et dans les sciences, bon, on a LibreOffice Math. Donc la Logitech est bien fournie, mais il n'y en a pas trop. Il y a vraiment le tout pour bien débuter. La Logitech est vraiment cohérente. Donc ça, c'est un plus. Il manque juste un courrieleur. Mais bon, après tout, si vous ne l'avez pas lu, d'ailleurs, je vous file l'info. Ubuntu risque de livrer sa prochaine Ubuntu sans logiciel de courrier électronique. Voilà. Donc, peut-être que c'est passé de mode, mais moi, j'aime bien Thunderbird dans le sens où on peut, quand on a plusieurs adresses mail de plusieurs fournisseurs différents, c'est quand même plus sympa qu'ils soient tous réunis dans un même logiciel. Et bien, dans ce cas-là, on va installer ce qui nous manque. Donc, Thunderbird. En même temps, on va voir s'il est là. Donc là, c'est le cas. Il s'appelle Mozilla Thunderbird. Et ici, vous voyez, on a un petit ascenseur application graphique. Donc ça veut dire que par défaut, seules les applications graphiques seront proposées. Et donc si vous mettez tous, vous aurez tout. Et donc là, si on tape Thunderbird, si c'est fichu, voilà, comme sur, sur Mandriva à l'époque et Mageia, ici on a les paquets de langues, Mozilla, Thunderbird, et tirer quelque chose. Donc on va prendre le module de langue FR. Voilà. Et en fait, ces applications-là, vu que ce ne sont pas des applications dites à proprement graphiques, si vous enlevez le filtre, enfin si vous laissez le filtre sur applications graphiques, eh bien, vous n'aurez que les applications graphiques. Et du coup, des fois, certaines applications qui n'ont pas d'interface graphique, vous ne les voyez pas dans la liste, mais elles sont bel et bien là. Donc là, je vais appliquer l'installation de Thunderbird. Et je vais vous montrer, je pense, avec le logiciel HTOP qui ne doit pas être installé, qui est moniteur, un moniteur système en console. Je vais lancer ça. Hop, console. Je pense qu'HTOP, il n'est pas installé. HTOP. Ah si, manque de bol, il est installé. Alors, Nmon. Lui, je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il soit là quand même dans la console. Enfin, c'est un logiciel assez spécifique, Nmon. Mais oui, comme le signale Jean-Luc sur le chat, ça fait plus de 10 ans que le filtre est par défaut sur application graphique. Alors ça peut être bien pour un débutant qui va pas avoir la vue polluée par des choses qui lui parlent pas. Mais des fois, il y a des petits paquets, comme le petit paquet de langue de Thunderbird, il faut aller le trouver. Si on connaît pas la petite astuce du filtre. Et je vous montre aussi, il y a l'autre filtre qui permet de filtrer ce qui est installé, non installé. Et là, dans ce filtre-là, on a les métapactages, applications graphiques, mise à jour de sécurité. Enfin, voilà, on a tout ça. Donc, Nmon, je vais regarder si Nmon, il est, ouais, il est disponible. Donc, vous voyez, si on reste dans applications graphiques, vu que c'est une application console, Nmon n'est pas trouvé. Donc là, il faut bien se mettre en tous. Voilà, et là, vous voyez Nmon. Ça, c'est la petite subtilité. Si vous ne savez pas, bon, ben voilà. Donc, je vais appliquer... Oh non, je ne vais même pas installer Nmon. Je vais revenir en application graphique. Donc là, dans la Logitech, par exemple, moi, j'aime bien SM Player. La question qui avait été posée tout à l'heure, c'est... Ah, la sélection logicielle, elle n'est pas très intéressante. Alors, on va essayer SM Player, voir s'il y est. Bon, ben, SM Player, il y est. Je vais l'installer. Donc, on va juste essayer de... il est où le micro? Il est là. De tousser, voilà, sans vous en mettre plein les oreilles. Donc SM Player est là. Il manque Hugin pour faire par exemple les panoramas. Donc lui il est là. Beaucoup de dépendances, mais il est là. Qu'est-ce qui me manque? Donc Kdenlive, on a dit qu'il était installé. EasyTag, il est installé.
Attendez, je vais repasser en mode de, comme ça, voilà. Pour un petit peu. Ce qui me manque. Alors, Vivaldi. Bon, c'est un navigateur internet. Je suis pas sûr qu'il soit disponible. Non. C'est vraiment spécifique. Bon, on a Skype. Donc, Skype. Je pense qu'il est disponible. Donc, on a un paquet Get Skype qui est issu de Mageia, je pense. Et en fait, Skype étant un logiciel propriétaire. Vu que Skype est un logiciel propriétaire, en fait, ce petit script va télécharger sur le site de Skype le logiciel Skype. Mais il va gérer les dépendances directement grâce à ce Get Skype. Voilà. Voilà, donc il y a Discord. Discord, alors le, ça c'est vraiment spécifique aussi. VirtualBox, je ne vais pas l'installer. Mais il est disponible. Voilà. LibreOffice, ok. Alexandra, alors Alexandra, il a été packagé récemment par David David, que je salue, il verra jamais ma vidéo, je pense, mais voilà. Donc on va regarder Alexandra. Non, ils n'ont pas repiqué le logiciel. Donc Clémentine y est. Simple Screen Recorder. Donc Simple Screen Recorder, il est là. Hop. Ok, je reçois des petits messages, c'est sympa. Mix, qui est un magnifique logiciel pour animer les soirées, il est là. Logiciel de DJing, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et bonsoir à Eric, qui fait un petit coucou sur le chat. VBAM, qui est un excellent émulateur de Game Boy, donc il est aussi disponible. Donc finalement, les logiciels, ils sont quand même là, hein. OBS qui me sert à faire le stream actuellement. OBS, ça c'est un peu spécifique. Donc il n'est pas là. Surtout pas installé, task obsolète. GIMP et donc Steam pour terminer, voir si les joueurs ont leur, leur vie. Et ben ouais, les joueurs peuvent aussi installer Steam. Hop, si tu veux appeler David, tu fais comme tu veux, Jean-Luc. Donc j'applique, voilà, et donc bah, tout va s'installer, on va voir que ça marche normalement. Donc ici le gestionnaire de logiciel c'est exactement le même que celui de Mageia. Donc pour reparler des dépôts vite fait, hop, je vais aller sur un magnifique site qui s'appelle pkgs.org. Voilà, et si vous voulez chercher un logiciel, Rosa Linux est disponible ici. Voilà, Rosa 16.1. Et ici, donc, on peut voir rapidement grâce à ce site que dans les dépôts main, il y a en 64 bits 14 000 logiciels packagés, logiciels ou bibliothèques et compagnie. On a 185 paquets non libres, on a 374 dits restricted et on en a 16 548 dans contrib. Donc si vous cherchez un logiciel et que vous voulez savoir si vos logiciels sont disponibles sur Rosa, et bien ici sur pkgs.org, vous pouvez prendre votre petit Rosa, voilà, vous cherchez Hugin par exemple, hop. Et voilà, et donc vous avez Hugin dans toutes les distributions et vous savez quelle version est disponible. Donc là, on sait que c'est disponible en version 2016.2.0 chez Rosa. Alors, ça a coupé. Je pense pas que c'est coupé, le stream. Parce que je l'ai sur mon deuxième écran et ça a l'air de fonctionner toujours. Je vais lui mettre un petit mot. Hop. Hop là, voilà. Donc ça, c'était la partie logicielle. Je vais installer ça. Et donc, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu la fraîcheur des logiciels, le temps que tout ça s'installe, on va ouvrir notre magnifique K Info Center, puisque je suis sur KDE. Plasma ici, voilà. Oups là. Donc ici, c'est un KDE Plasma 5.9.4, avec les KDE Frameworks 5.30, version de Qt 5.8, donc c'est quelque chose de très très récent. On a un noyau 4.9.20, donc c'est quasiment le dernier noyau en date de la branche 4.9, si je ne me trompe pas. Je vais relancer rapidos le Firefox. Donc ça, côté fraîcheur des logiciels, c'est pas mal, en tout cas sur l'environnement de bureau. Voilà.
donc kernel.org. Ah non, 4926, le dernier noyau de la branche 4.9. Mais bon, c'est un noyau dit LTS. Donc, c'est quand même quelque chose de plutôt stable et plutôt fiable. Ah, d'ailleurs, tiens, j'ai remarqué qu'on a l'absence de bloqueur de pub. Donc, je vais laisser Firefox ouvert. Je vais vous montrer rapidement les versions des autres logiciels. Donc, je vais repasser d'ailleurs en plein écran. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Enfin, beaucoup plus beau. Donc le LibreOffice, c'est un LibreOffice 5.2.6.2, donc la version dite évolution, non, fraîche, enfin stable, c'est pas la version dernière version en date, je sais plus comment elle s'appelle, la version LibreOffice plutôt stable. Ah, j'ai peut-être une petite coupure de réseau, mille excuses. Donc dans la partie graphisme, on a GIMP. Tiens, on va voir d'ailleurs si on a le mode fenêtre unique par défaut, ça pourrait être sympa. Et après, on va faire la partie multimédia. Donc voilà, on a le mode fenêtre unique par défaut, donc ça c'est génial. GIMP 2.8.18, donc c'est pas tout à fait la dernière version, on est en 2.8.20 la dernière, mais c'est quand même des éléments récents. Donc voilà, ah oui, si j'avais dit pour le scanner, enfin pour numériser, Simple Scan, je préférais. Ben, je vais vous montrer comment on l'installe en ligne de commande. Donc, hop. Là, on va lancer Audacity. Voilà, donc Audacity 2.1.2, vous avez vu. Donc, ça, c'est du récent. Clémentine, qui est le lecteur de musique, je pense qu'il est en version 1.3.1, si c'est la dernière version aussi. Hop, voilà, il s'est lancé. Caden Live, donc ça doit être la série 1703. Donc à propos de Clémentine, 1.3.1, voilà. Avec donc le support complet avec Clémentine des éléments extérieur, hein, on peut écouter la musique qui est stockée sur son OneDrive, sur Spotify, sur vk.com si on a des comptes, hein, ou Google Drive, Dropbox et compagnie. Donc ça c'est pas mal, je vais laisser Clémentine dans un coin. Pour Caden Live, tout est traduit, donc les packs de langue français KDE sont installés aussi. Caden Live. Ma voix ressemble à Alice et Moon, on me l'a dit déjà, mais là en plus je suis malade, donc ça change un peu d'habitude. C'est peut-être un peu plus mûr, un peu plus homme. Voilà, donc KDE 16.12.3, pas tout à fait la dernière version, mais c'est plutôt récent. Et dans les outils, bon, ok. Donc on va faire quand même le petit test qui va bien. De multimédia, donc je vais mettre le son à fond. Voilà, normalement ça devrait être pas mal le son chez vous. Hop, donc on va foutre ça à fond. Donc on va aller sur notre ami youtube.com. Ah oui, on va mettre le débat, alors le débat politique, je ne sais même pas sur quelle chaîne il est. Bah tiens, ça pourrait être un élément assez sympa, bah pour voir si notamment Flash Player fonctionne. Donc là, je vais prendre déjà une vidéo pif pour vérifier que le HTML5 fonctionne. Donc clic droit. Donc la pub fonctionne déjà. Hop, bon, c'est le lecteur HTML5. Ok, skip ad. Donc là, ça marche. Je sais pas si vous avez du son. Normalement, vous devez avoir un peu de son. Le logiciel est prévu pour. Ben là, du coup, il n'y a pas de son parce que ça charge. Voilà.
Donc on va aller vite fait sur altermusique.org pour aller choper un petit peu de musique libre et tester... de tester le support MP3. Donc je prends toujours le même album et tout ci, tout ça, tout ça. Donc tac, tac, tac. Voilà, donc basse qualité MP3. Voilà, donc on va enregistrer. Merde, j'ai cliqué sur annuler, forcément. Alors ouais, si vous n'avez pas entendu le son, ben il y en avait quand même. Je sais que c'est un peu pourri. Donc le débat politique Plus France TV, qui est un site sous Flash Player. Et ben on va voir si ça marche ou pas. Donc là ça n'a pas fini d'installer. Voilà. Normalement ça devrait marcher. Alors on a un petit peu d'histoire sur le chat, on a un petit peu de publicité. Voilà, donc Flash Player, quand il va fonctionner, ça va s'afficher. Mais ça c'est juste Firefox qui est un tout petit peu long. Voilà, à charger tout le bins. La publicité sur le côté n'aide pas. En fait, dès qu'on lance quelque chose avec Flash Player, tout rame. Voilà. Donc là, j'ai le son. Voilà. On va bientôt avoir l'image. Normalement. Voilà. Flash Player, c'est une catastrophe. Bon, l'image n'arrive pas, d'accord. Allô, allô. C'est pas grave, on va passer avec un truc qui marche un petit peu mieux. Hop. Oh non, pardon, je voulais pas dire ça. Mais. Le cœur y était. On va essayer avec Chromium. Qui peut être un petit peu plus rapide. On va regarder la version de Chromium. Hop, le temps que tout ça se lance, on extrait notre musique. Extraire vert. Voilà, donc on va extraire ça vers la musique, extraire, voilà, hop, on va au passage, voilà, remettre le Plus France TV sur Chromium, qui est en version 57. Bon, j'étais resté dans mon idée qu'on était à la version 56, donc Chromium doit être très très récent. Voilà, et on va vérifier que Flash Player fonctionne très bien avec Chromium aussi. Voilà, donc cliquez pour activer Adobe Flash Player. Par défaut, c'est désactivé. Voilà. Donc, autorisé. Ouh là là, mais il y a de plus en plus de sécurité avec Chromium qui bloque tout ça. Donc, ça devrait arriver. Allez. Ou pas. Ou pas. Ah si, ça y est, c'est arrivé. On a de la pub. Signal. Pour les dents, hop, buve un petit coup, hop, gloup, gloup. Voilà. Donc ça, ça marche. Ça, ça marche. On va tester la musique, parce que la vidéo s'éternise un petit peu quand même. Voilà. Donc, on va mettre notre bibliothèque. On va vérifier que le MP3 fonctionne. Donc, ajouter. Hop, Adrien. Musique. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur Rosa, c'est le moment de les poser dans le chat. Et après, je répondrai aux questions qui n'ont pas de rapport avec Rosa, qui ont été posées tout au long de la vidéo, où je répondrai juste après la présentation. Donc là, hop, on teste le MP3. Et ça marche. Alors le morceau, il est vraiment faible. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est monter le son sur mon vrai ordi. Hop, je vais me remettre sur le deuxième écran. Voilà, donc c'est vraiment doux, enfin c'est vraiment très doux. La musique, c'est du piano, donc on n'entend pas grand-chose, mais c'est là, voilà. Donc je vais arrêter ça, voilà. Et donc, on va terminer par une petite installation en ligne de commande. Pour installer Simple Scan,
Donc là, vous voyez, non, vous voyez pas parce que j'ai pas encore écrit. Voilà, plus. URPMI, on va utiliser les outils URPMI. Donc URPMI, Simple Scan, il doit s'écrire comme ça. Voilà, l'outil Simple Scan est là. On l'installe. Et voilà. Donc là, pour ceux qui préfèrent la ligne de commande, c'est donc l'outil URPMI sur la version desktop. Et sur la version serveur, c'est l'outil Yum, puisque c'est basé plus sur du CentOS, à mon avis. Et donc, maintenant, normalement, Simple Scan doit être là. On va le retrouver, je pense, ici, dans Bureautique. Non. Outils. Je ne sais pas où c'est caché. Simple Scan. Et voilà. Donc, le logiciel de Gnome. Donc là, c'est normal, il n'y a pas de, je sais pas, de scanner. Voilà, en version 3.23.3. Donc on a de quoi numériser, on a de quoi tout faire. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas la distribution, voilà, donc il y a Mix, un logiciel que j'adore pour animer des petites soirées bien sympathiques. Hop, voilà. Donc lui il marche. Voilà, donc on peut mettre ces petits morceaux. Hop. Alors, chargé dans la platine 2. Oh, il y a 4 platines maintenant. Avec cette nouvelle version, j'ai pas fait gaffe. Alors, voilà. Ah ouais, ok, ils sont là. Nickel. Voilà. Et donc après, on peut mixer, on peut faire ces petits machins, ces petits enchaînements. Tout ça, tout ça. Donc, Mix, il est là. Et donc, toc, toc, toc. Ouais, si je voulais quand même vous montrer un petit truc, c'est dans les outils. L'outil qui s'appelle Rosa Image Writer, bon, qui permet de faire ces clés USB bootables. Ouais, donc vous mettez votre image ISO, vous sélectionnez votre clé USB, puis voilà, c'est un petit outil assez simple pour faire une clé USB bootable, simple, rapide et efficace. Alors, si il faut que je fasse une vidéo de test de comparaison de performance Rosa et Mageia, on pourrait le faire. Je vais attendre que Mageia 6 sorte. Comme ça, on aura tous les deux du Plasma 5. Et ça peut être une idée de vidéo. Je vais la noter dans un petit coin. Et je vais la faire. Là, je relance une dernière fois Rosa. Pour faire un test, vous montrer rapidement combien de RAM est prise au démarrage avec la distribution toute fraîchement démarrée. Hop, je vais remonter dans le chat. Pour voir les questions qui étaient posées sur Rosa. Donc, pour la Logitech logiciel est pauvre, et ben, bon, je trouve qu'il y a à peu près tout. Tac, donc j'ai bien pris une 64 bits. Alors, les blagues sur Rosa qui est portugaise, on va s'en passer, n'est-ce pas? Elle vient d'où la Rosa? Donc, de Russie. Basé sur Mandriva, je rappelle, Mandriva 2011. Les dépôts, j'en ai parlé. Voilà, voilà. Quelle est la particularité de Rosa Linux? Alors ça, c'est une question que j'ai zappée. Eh bien, la particularité, c'est qu'elle est simple à utiliser, jolie, sur base RPM. Bon, après, c'est une distribution plutôt... qui fait tout, hein, bureautique, polyvalente. Voilà. Donc la classe à la même catégorie que Ubuntu. Voilà. Alors peut-être pas aussi facile à utiliser, mais voilà. Est-ce qu'il y a des PPA comme sous Ubuntu? Alors j'ai pas vu de dépôt additionnel. Autant sur Fedora, on a des dépôts additionnels entre guillemets avec Copre, qui sont des dépôts additionnels où il faut utiliser avec parcimonie. Mais là, j'ai pas vu de PPA chez Rosa. Voilà, voilà. Donc, tac, tac, tac. Ça bug, oui, donc là, ok. C'est du KDE, ouais. Tac, tac, tac. Donc, ma voix, très bien. Ça, ok. Bon, ok, j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Donc pour les estimations de la mémoire utilisée, donc je vais utiliser, je suis désolé, hein,
je vais utiliser HTOP, qui est quand même beaucoup plus neutre que les outils graphiques. Et comme ça, je testerai toujours avec HTOP. Donc, on dit 490 MO pour SIPO. Joselito nous dit 381. Allez, on va quand même pas être vilain parce que c'est KDE Plasma 5.9. J'ai pas testé la mémoire hein. Tout à l'heure. J'ai vu, on était à 800 mégas avec plein de trucs lancés. Allez, on va dire 450. On va essayer de faire la poire en deux entre le 490 de SIPO et le 380 de Joselito. Donc, suspense. 487. Bon, bah, SIPO, tu peux aller jouer au loto hein, parce qu'à 7 mégas, à 3 mégas près, pas mal. Excellent. Excellent, excellent. Excellent. Dora. Salut Dora l'exploratrice. Bah ouais, elle nous rejoint sur le chat. Donc, où allons-nous? Regardez la consommation de l'espace disque sur la colline myrtille. Hein, donc DF-H, voilà. Donc par défaut, c'est un partitionnement standard, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. 20 gigas pour la racine et le reste pour le home. Voilà, donc là c'est tout pour Rosa. Donc bon, j'étais un petit peu en retard, hein, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Donc forcément, il n'y a pas de petit jingle humoristique, il n'y a pas les petits trucs là que voilà. Parce que j'ai commencé la vidéo un peu à l'arrache. Donc je vais éteindre Rosa. Et maintenant je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées tout à l'heure. Donc, on va ouvrir ça. On va quand même se mettre le petit outil avec la table des jingles, sinon c'est pas drôle. Alors, faut que je retrouve Linux Trix. Où est-ce que j'ai casé ça? Intro direct jingle lol. Hop, jingle lol.perl. Hop, ouvrir, lancer dans un terminal. Voilà, ce sera plus drôle sinon. Hein. Donc, pour faire une petite transition entre cette présentation de Rosa Linux et des questions. On va faire ça avec un petit dicton du jour. Donc le dicton du jour pour le 3 mai, c'est lorsqu'il pleut le 3 mai, point de noix au noyer. Donc n'allez pas faire les noix. Hein. Bon, j'en ai un deuxième qui dit si au 3 mai il pleut, l'été sera pluvieux. Et bien vu le temps qu'il y a fait, on va pas avoir un bon été. Voilà, donc ça c'est la petite transition entre la partie prévu du direct et la petite partie réponse des questions. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, on va faire ça et on va faire ça. Donc normalement, la fenêtre est arrivée là. Voilà. Donc, voilà les questions qui ont toutes été posées ici. Donc, il n'y a personne dans la place. Si maintenant, il y a du monde. Alors, quand as-tu commencé Linux? Eh bien, j'ai commencé Linux en 2008. En fait, j'ai commencé Linux en 2008 avec une distribution qui n'existe plus, qui s'appelait Mandriva Linux. Voilà, je vous ai bien cassé les oreilles, hein, maintenant. Avec ça... Donc j'ai commencé avec Mandriva Linux 2008, que j'ai utilisé exclusivement en live CD. Et puis après, j'ai installé pour la première fois en 2008.1 Mandriva Linux. J'ai fait Mandriva 2009, 2010, 2011. Ouh là là, c'était le bordel 2011. Donc je suis revenu en 2010.1, 2010.2. J'ai migré sur Mageia 1, Mageia 2. J'ai changé d'ordinateur. Il n'était pas compatible avec Mageia 2. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas reconnues. Et donc j'ai entamé un dual boot avec Fedora et Calculate. Et depuis 2012, donc j'ai poursuivi mon aventure avec Calculate Linux, distribution que j'utilise actuellement. Je vais quand même regarder si je ne vous ai pas trop pété les oreilles. Attention aux droits. Non, il ne devrait pas y avoir de droits sur le jingle là. Non, je pense pas qu'il y ait de droits. Toc, donc celui-ci. Blablabla. Donc, pourquoi Calculate Linux? Un argument pour convaincre. Bah en fait, le truc, c'est que j'utilise Calculate Linux, mais je suis absolument pas une personne qui va dire « Venez sur Calculate, c'est la meilleure distro du monde » et tout.
Je pense que Calculate Linux, c'est pas une distribution qui est évitante pour un débutant. Donc je la conseillerais jamais dans l'association dans laquelle je fais partie. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience, sachant qu'il n'y a pas d'outils en ligne, en graphique pour installer ces logiciels. Donc il faut connaître un petit peu la ligne de commande. C'est une rolling release, donc il y a des petites aventures qui peuvent arriver avec. Donc il faut bien lire les documentations, notamment celle de Gentoo, puisque Calculate Linux est basé sur Gentoo. Donc s'il fallait donner un argument pour convaincre, bah, le seul argument que je pourrais avoir pour Calculate Linux, c'est rolling release. Mais l'argument ne tient pas parce que en rolling release, Manjaro fait un petit peu mieux dans la partie débutant. Après, s'il fallait que je dise un argument pour convaincre, je dirais deux arguments pour convaincre, pour comment dire, enfoncer le clou sur le fait que Manjaro ne permet pas de faire une chose sur calcul et que Calculate permet de faire, c'est rolling release et flexible, c'est-à-dire on peut installer un logiciel disponible dans les dépôts avec différentes options de compilation aux différents supports activés ou désactivés dans le dit logiciel. Je vous montre un petit exemple. Ici, on prend par exemple Clémentine. Voilà, Clémentine qui est le logiciel de musique que j'utilise. Et bien ici, donc on peut activer ou désactiver toutes ces options que j'ai surlignées. Voilà, donc si on veut installer le support de SkyDrive, on peut l'activer, on peut le désactiver, donc là c'est pas le cas. Voilà, on peut activer toutes ces options. Donc forcément ça recompile le logiciel, mais c'est de la recompilation assistée. Et du coup, eh ben, on peut personnaliser tout ce qu'on veut sans être trop embêté. Moyennant recompilation, mais faut savoir que Gentoo à la base c'est une distribution from source, donc compilation. Bien que sous Calculate Linux, les logiciels par défaut soient disponibles en tant que binaire, donc pas de compilation. Deuxième petit avantage, mais là c'est plus pour la partie serveur. Hop, je vous fais un petit devlang PHP. Voilà. Ici, vous voyez, dans PHP, on a la version 5.6, 7.0 et 7.01, et on peut installer simultanément les versions 5.6, 7.0 et 7.1 sans souci. Voilà, on peut installer plusieurs versions d'un même logiciel. Donc là, c'est plus utile dans la partie serveur, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à la question. Toujours pas de maté 1.18 sur Calculate? Ben non, ça dépend de Gentoo, et Gentoo, ils sont en train de tester. Hein, donc je teste maté 1.18 sur Gentoo et je remonte les bugs pour que ça arrive rapidement dans Calculate, mais ça va arriver. Pas de panique, de toute façon, maté 1.18, dans tous les cas, ça fonctionne bien, donc pour le moment, il n'y a pas de raison de changer. Voilà. Donc on va défiler les questions, hop, qui concernent Rosa. Donc là, ça parle de trucs un peu bizarres. On passe assez vite. Les packs d'icônes. Ah oui, donc je vous ai même pas montré le thème, hein, mais c'était le thème sur Rosa. Je vous ai pas montré le thème, mais c'est le thème brise avec le tour de fenêtre oxygène. Voilà. Tac, tac, tac. Tu as Skype. Je voudrais te demander un conseil STP. Pas de problème. Skype est ouvert. Sinon, par mail, c'est beaucoup plus simple. Sur mon site linuxtricks.fr, dans la rubrique À propos, il y a un petit truc qui s'appelle Contact. Et il y a un magnifique. Hop là, vous n'avez pas vu. Hop, formulaire de contact. C'est pas grave, vous avez mis mon nom, c'est pas bien grave. Vous avez le formulaire de contact qui va bien, que vous pouvez remplir. Et du coup, je pourrais répondre à vos questions. Voilà. Tac, tac, tac. Ça ressemble à la calculette console. Oui, bah, c'est vrai que sur Rosa. Bon. Ça ressemble à calculer de console, un petit panneau où on peut tout faire dedans. Voilà. Donc, j'ai entendu que Red Hat, c'est plus basé sur la sécurité, c'est vrai. Alors, la question, elle est un peu compliquée. Non, tout système est sécuritaire. Après, il y a un module dans Red Hat qui est activé par défaut, qui s'appelle SELinux. Et SELinux, c'est un système de politique de sécurité qui va permettre de contrôler les droits d'accès sur les fichiers. Donc, c'est-à-dire qu'en plus qu'une application n'ait accès qu'à certains droits, il y aura des vérifications supplémentaires avec SELinux. Alors, je ne sais pas trop comment définir SELinux. SELinux, je vais mettre un petit truc comme ça. Comme ça, il y aura la réponse peut-être un peu plus complexe. Voilà, Security Enhanced Linux, abrégé SELinux, est un Linux Security Module
qui permet de définir une politique de contrôle d'accès obligatoire aux éléments d'un système issu de Linux. Voilà. Donc Wikipédia explique rapidement de ce de quoi il s'agit. Alors attendez, hop, je vais juste faire un truc à côté quand même. Voilà, voilà. Donc, donc ça veut dire quoi, Red Hat basé sur le... Bon, voilà, donc j'ai répondu à la question. Je me focalise sur Ubuntu et les Debian Arch, vu que ce sont les plus fournis en logiciel. Bon, c'est vrai que Arch Linux est vraiment très, très fourni en logiciel. Hop, je fais autre chose en même temps. Donc, il n'y a pas des dépôts PPA. Ok. Je vais recharger la page. Ok. Donc là, blablabla. Alors, on préfère ma chaîne au foot ou à la demi-finale. Enfin, demi-finale, non. La demi-finale de foot ou le débat. On choisit moi. Eh ben, très gentil. Voilà, il paraît que j'ai la voix d'Elysée Moon. Donc, c'est sympa. Donc on va arriver à des choses que j'ai pas encore vues. Donc plus ok. Le plus beau DECK2. Bon là c'est une question de goût. Donc l'installation comme Mageia. Ouais. Test de performance Rosa Mageia. Je les ferai quand Mageia 6 sera sorti. Je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est tout. Attention droit. Rosa, c'est pas le muguet en mai. Si c'est le muguet en mai. Mais j'ai pris un dicton du 3 mai. Si tu veux un dicton sur voilà, au 1er mai fleurit le bon muguet, ça c'est l'expression du 1er mai, mais vu qu'on est le 3, voilà. Et donc on peut tester Rosa en live, où faut l'installer? Alors ouais, si t'as loupé le début de la vidéo, eh ben on peut la tester en live, hein. On peut la tester en live. Prouver que le CCM est bagué. Oula, alors là, ça sent le téléphone qui corrige automatiquement la phrase. Donc, là, je demande des précisions. Parce que là, la phrase est un peu compliquée. Alors, peut-être, est-ce que je peux prouver que le CCM est bugué? Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire. Voilà, mais ouais, j'ai montré tout à l'heure. Alors, ça, c'est la version serveur. Voilà, que je vais fermer. D'accord. Donc, ouais, je vais relancer vite fait la version ici. Et je vais te montrer que, hop là. Voilà, ici, quand je remets le CD. Voilà, redémarrage. Ici, il y a la possibilité, donc, de start Rosa. Et de l'installer après. Ou de l'installer directement depuis le CD. Donc là, on peut démarrer. C'est ce que j'ai fait vraiment au début de vidéo. Mais vu que je suis arrivé en retard, bah forcément, tu as peut-être vu l'info comme quoi la vidéo était diffusée un peu en retard. Donc voilà. Mais on peut bel et bien démarrer en live. Et puis ben moi j'ai fini. J'ai fini de présenter ce que j'avais à présenter. J'en profite juste. Parce que là, ça fait un moment là que ça enregistre là. Ça fait combien de temps ? Parce que je voudrais faire une émission d'une heure à peu près à chaque fois, donc ça fait 1h03 que ça enregistre, donc voilà. Ce sera peut-être des formats d'une heure. Si, je vais faire un petit coup de pub. Je vais faire un petit coup de pub à Monsieur Sipo Matador, qui sur sa chaîne a fait une petite interview de moi-même, en fait, on s'est entretenu. Et donc vous retrouvez sur sa chaîne plusieurs volets, ici, voilà. Qui s'appelle Linux Interview Adrien D. En 5 parties pour le moment. Il y a peut-être encore quelques parties qui vont revenir. Voilà, c'est une interview. J'ai été donc interrogé par Sipo Matador et vous en saurez peut-être un petit peu plus sur moi. Sinon, sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont ici, voilà, accès aux listes de lecture. Voilà. Toutes les vidéos, une fois que je les ai vues, elles paraissent dans ici. Adrien D interviewé, et donc vous retrouvez l'ensemble des parties de la vidéo, enfin des différentes vidéos et différents petits morceaux de Sipo Matador. Voilà. Donc je vais, ouais, ok, c'est, voilà, on a une info, c'est qu'il y aura la suite. Donc je vais remercier tous les participants, donc ceux qui sont partis et ceux qui sont encore ici. Voilà, donc je remercie Sipo, professeur avec le nom imprononçable, Mister Stéphane, Jérémy, Joselito, Aventure et Pix. Je remercie moi-même, forcément. Voilà, qui c'est que j'ai oublié? Donc Jean-Luc, que je remercie, l'Auberge du Vieux Renard.
super les pseudos. Dora l'exploratrice qui est venue, hein, c'était pas une blague. Adrien qui est venu. Linux to the core. Eric Garnier. Bon, lui c'était du spam. SkyMix. Donc, c'est des gens qui régulièrement commentent mes vidéos. Donc, c'est assez sympa de les voir. Le MP3 est totalement libre, les brevets ont expiré aujourd'hui. Je pense que c'est une blague. J'ai pas vu ça. Voilà. Et puis, j'ai remercié tout le monde. Bah ouais. Hein. Je suis juste vexé que Scott Vigé soit pas venu. Mais c'est pas bien grave. T'es sympa. Voilà, voilà. Donc je remercie tout ce petit monde. Xavier T, voilà, qui était là, qui est passé aussi en tout début. Idata, iData Login. Et voilà, et Ahmed qui est venu, Fredoa qui est venu aussi, voilà, Ubuntu, voilà, et voilà, et Benjamin, et Olivier, et Super Matrix, et voilà, et tout le monde est là, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Pour répondre à Linux to the Core, la série de vidéos sur le bash, le scripting bash. La vidéo sur le scripting bash, ça va arriver parce que apparemment ça a plu, ça a beaucoup plu que le petit tuto sur Perl, et je pense que je vais le faire sur bash parce que je pense que je ciblerai un peu plus de personnes avec du bash plutôt qu'avec du Perl. Voilà, voilà. Et ben en tout cas, et puis de toute façon, on sait très bien que quand on lâche une perle, ça sent pas bon. Ceci était le mot de la fin. Non, on peut pas finir là-dessus. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, qui arrivera, bah, en fait, je sais pas quand. Parce que pour le moment, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue professionnel. Et du coup, bah, ça impacte aussi sur ma vie personnelle. Parce que j'ai plus beaucoup de temps pour ma vie personnelle. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, les vidéos sont un petit peu moins nombreuses. Voilà. Donc, il reste pas beaucoup pour gérer la vie personnelle. Donc, voilà. La vie personnelle prend quand même un petit peu plus le pas par rapport aux vidéos. C'est pour ça que pour le moment c'est un petit peu la pause sur la chaîne, mais bon, il y a bien d'autres personnes qui publient. Actualia66 publie, Frédéric Bézier publie, et puis Scott Vigie publie, Sipo Matador publie. Voilà pour les personnes que je suis, du verbe suivre. Voilà. Après sinon les autres personnes, ça n'a pas forcément de rapport avec l'informatique. Donc, je ne vous en parle pas. Voilà. Alors, dans tous les cas, le replay, je vois Christian qui dit qu'il arrive trop tard. Le replay arrive d'ici que YouTube traite la vidéo. Mais pas de problème. Le replay sera disponible dans la foulée. Voilà. Donc, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, prochain direct, ce sera le mercredi. Mercredi 7 juin. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci, je n'arriverai pas en retard. Voilà. N'oublions pas de rester libre. Ça pourrait être le mot de la fin. Voilà, voilà. Et ben moi, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez le replay. Et je vous abandonne. Donc, 3... 2, 1, allez, ciao !